Bonjour, bonjour les amis. Dehors, samedi 12 janvier 2023. Batwebele, bazo kanisa peut-être que tobungi na internet, tozangi malobate. Nalingi kana réagir na actualité oyo eza présentement. Koloba mingi mingi bato bakomi komona position ezali te, position ezali mingi te. Bato baza dans l'expectative, bato bazokanisa, bato baeshoue, bato bakanisi makambo ebele ebele. Bazoloba ke non, bon, l'opposition est affaiblie maintenant, makambo ebele ebele eza kolobama. Non, Katumbi, Bakangiye, Bazo entouré, Bazo menacé, Bazo. Moi, je voudrais attirer l'attention de tout le monde ici. Que esa victoire te, victoire ezali eloko moko tozo meka kotia mboka na biso na kati ya kietude moko boye. Batu ba vanda kimia, batu ba batala liboso. Les élections sont passées. Maintenant, totikali na mokumba munene oyo, il faut tobongisa mboka na biso. Kobongisa mboka na biso eza nini? Kobongisa mboka ezali ko faire renaître l'espoir pour un lendemain meilleur. Que cet espoir-là soit porté par Fachi ou Batu Mususu. Oyo bakokamba mboka na biso lobi ezali kaka espoir ya Congolais nyonso tout. C'est pour cela que moi je voudrais attirer l'attention ya ba discours oyo eza kokende keno. Maintenant Tshisekedi azali maître ye moko na kati ya mboka. Non, Tshisekedi aura besoin de l'opposition aussi pour que la démocratie puisse aller de l'avant. Tshisekedi akobongisa mboka oyo ye moko te. Mboka oyo eza na besoin ya Bakatumbi, eza na besoin ya Badelise Sanga, eza na besoin ya Bamatata, eza na besoin ya batu nyonso tout pour que tobongisa mboka. C'est pour cela nazo attirer attention ya batu oyo bakomi na ba discours moko sectoriel ya koloba ke non, maintenant parlement il faut ezala dirige na batu moko boye. Non, ça ne nous fera pas avancer quoi que ce soit. Est-ce que ça sera une opportunité ya batu mususu oyo balongi? Que non, tango na bango yango sikoyo ba oyo bayibaki bakende batu msusu ba miyibi msusu baya kokota. Effectivement, ekolakisa biso que non, nous ne sommes pas pour ce pays ici. C'est pour cela moi je ne veux pas m'atteler à koloba que non, victoire ezalaki boye. Non, la tâche est encore très compliquée pour celui qui va porter le pouvoir, celui qui va porter cet espoir là que longola mboka na biso na boumbo toza na kati. C'est ça le grand problème. Oui, Félix Tshisekedi a gagné ba élection, mais la tâche qui lui est devant, c'est la tâche qui est le plus important. Oyo tozo zela sikoyo ke non, unification amboke kozala ndenge nini, kimoyibi ekosila ndenge nini, ba gouverneur déchu, tout ça. On voit les élections qui ont été chaotiques, batu mususu bazali ko bunda. Oh non, biso siko tokokota. Oh ba député nini yango. Toutes ces questions demeurent un poids pour celui qui va diriger le pays. Et le pays ne sera pas dirigé par un chef ou quoi que ce soit, non. Et si c'est le cas, batu oyo bakoya kokota, bakolinga ba lobandenge Tshisekedi alobaki ke non. Nous allons consolider les acquis. Les acquis, c'est quoi? Est-ce que les acquis, ce sont le vol qui ont été perpétrés? Est-ce que c'est l'insécurité qui gangrène notre pays? Est-ce que c'est, nous allons continuer dans le franc yako iba, comment on dit ça? Gloire wana oyo toza non. Ce n'est pas ça. Le poids est tellement lourd que mutu oyo aza koya koloba ke noto bongisa mboka oyo eza makasi na ba division oyo toza nango. Cohésion ekozwa mandenge nini? Qu'est-ce que je veux faire avec tout ce pays, tout ce peuple qui est divisé comme ça?
ba rumeur wana tokosili saka yango ndenge nini pour redonner encore l'espoir au peuple congolais en disant le peuple congolais voici moi j'ai un plan pour que to bongisa mboka oyo idée na biso nyoso ezala Tshisekedi ezala batu nyoso baza na opposition. L'espoir c'est que le pays puisse aller de l'avant et c'est là où nous nous disons que Félix doit faire très très attention parce que le poids est tellement lourd que obtenir cette cohésion nationale, c'est un grand problème. Redresser ce pays, c'est un grand problème. Ne nous fions pas à ce que, non, les autres ont félicité, voici les États-Unis ont félicité Victoire à Félix, et tout ça, Félix a commis ce qu'on Mokonzi. Mais Kibokonzi, en gros, c'est qu'à Kabona, ma déclaration. Les définitions, ça sera justement pour le travail qu'il va entamer. Va-t-il terminer toutes ces histoires-là à Kolobakeno, Mboka, Nabiso et Komi République bananière? Ça, c'est un grand défi et c'est ce que je suis en train d'attirer l'attention de tout le monde ici. Que vraiment, Mboka, Ezali, Mboka, oh, il fallait, et Ezala, Sikoto, Lobabon. Ok, Mokonzi, quel est le plan que vous allez faire pour que et toucher Congolais, Nyosoto, oh, à voter qui, oh, non, à voter qui, oh, pour que maintenant vous pouvez asseoir votre vision, ya koloba vision nanga ezala ki kemboka to tongango to sala Allemagne d'Afrique. Mais comment est-ce que nous allons y arriver? Ce qui na sala ki angote na premier mandat, voilà ce qui m'a empêché. Maintenant que vous avez sur vos épaules le pays tout en entier. C'est comme cela que moi j'ai dit, bon landabiso, malembe malembe, tozo loba mingi te, pourquoi? Parce que maintenant là, nous allons commencer à réagir sur les actes que posera le président de la République. Si ces actes-là iront dans le sens ya ko réunifier batu, ya ko tia kimia et pas batu, ya ko renaître espoir na mutu nyoso que non, ce pays n'est pas un pays à mutu mokote. Ce pays n'est pas un pays de quelqu'un. Pays o eza pays à batu nyoso tout. Batu nyoso tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce pays n'appartient pas à un clan. Ce pays n'appartient pas à une certaine... C'est ça même que moi je pense que pour l'instant que c'est ni comme un problème à Koloba. Comment est-ce que nous allons équilibrer les forces pour que Batouba Zala un peu apaisé? Même si les élections ont été ce qu'elles étaient, mais maintenant que moi je suis président de la République et je suis président de la République de tous les Congolais, Bao va voter Kingaï na Bao va voter Kingaï te. Naza président de la République, il y a Kivu, il y a Équateur, il y a Batunyo surtout. Et le plan que nous allons entamer aujourd'hui, ça sera un plan qui va toucher tous les Congolais en se disant, maintenant que nous sommes là, rassurez-vous que personne ne volera. Je vais vous rassurer pour que les institutions de la République démocratique du Congo puissent fonctionner normalement. Alors, awa tozaka ka kolobaka makanisi na biso koloba, il faut que les gens s'apaisent. Tshisekedi a besoin de ses opposants-là. Akoki ko dirige mboko ye mokote. Mboka oye ko zalaka dirige te kaka na batu moko boete. Ça ne sera pas. Sinon, nous allons retomber encore dans ce que nous avions déploré na premier mandat. Et qu'est-ce que nous avions déploré? Nous avions déploré les Kimoyibi, batu obazo sala makambo, bango moko balingi, tout ça. Nous avions vu les Djalélolistes qui ont clamer gloire, oh non, c'est le président le plus beau, c'est pas ça. Le président le plus beau, c'est celui-là qui va entamer un programme qui touchera tout le monde. Et c'est comme ça qu'il aura besoin des gens autour de lui. Oh, Toloba qui ke batoba kozala pembeni nae, bab meka koz conseiller que non. Ce n'est pas seulement lui. Ezali kambo ya batu nyoso tout, ezali kambo nyoso ya batu nyoso bazala ensemble. Comment va-t-il se prendre? C'est comme cela que nous disons tokolobaka mingi mingi te pour que tozela le 20 na le 20 wanande tokomona na discours na ye investiture, quel sera le premier acte qu'il va poser les 100 jours qui viendront après le 20? On va commencer à réagir maintenant sur ça. C'est comme ça, aujourd'hui, il est inutile à ce que boye botou na kabiso. Maintenant que vous aviez échoué aux élections, bomoni, Tshisekedi nde mtoza populaire, ce n'est pas du populisme ici. Le populisme n'avancera jamais notre pays. Naza komona batu msusu kuna bazolo ba, oh, ngai, ngai naza mtu na yebani boye, na sali boye, na sala ki boye.
Il y a une certaine animosité dans le peuple congolais. Aujourd'hui, le peuple congolais est tellement divisé que nous ne savons pas exactement toko kende wapi. C'est pour cela que nous nous évitons à trop parler parce que nous n'avons pas encore une certaine configuration. Il y a oyo Congo et Kozala lobby. Bon bombardé bisoté na ba question belé belé Germain Omoni et Bokolo ba susuté Bokanga mino konabino. Nous avons notre droit à ne pas dire quoi que ce soit à se taire. Nous allons nous taire effectivement, mais ce n'est pas que tokoti que la binombo kango yango. La rébellion est à l'est de la République démocratique du Congo. Comment on va surprendre? Est-ce que maintenant notre avenir sera encore mis dans la main de ces gens-là à l'extérieur du pays? Yakolobake non, tokobanda okendo luka ba investisseur. Le président de la République lui-même a dit qu'il a déjà vu tout le monde. Nous attendons effectivement programme naye oyo akotia en place pour que total que si nous pouvons nous concentrer sur nous-mêmes en fait que tous à la réconciliation nationale, tous à la cohésion nationale, bah institution na biso banda ko fonctionner normalement. Et c'est comme cela que nous ne pouvons pas suggérer aujourd'hui. Les lots qui banda ko lobate que non bon Félix il faut ça là boy, Félix il faut ça là boy. Il faut toyo kana nouye. Qu'est-ce qu'il entrevoit? Parce que les campagnes, ce qu'il a dit aux campagnes électorales, je ne pense pas que c'est cela qui va être là. Oh, nous allons modifier la constitution, nous allons faire ceci. Il y a des mécanismes. Même ceux qui ont l'élo, le bibon, ok, mboka, oh, ezali na maboko na yo, mais mboko ezamboka na yo te. Mboko ezamboka yabatu moko te. Mboka oyo ezali na besoin à ce que qui étude ezala et que le peuple congolais puisse renaître à sentir espoir wana azala na espoir dans lobi bon OK mokonzi asia lobi boye aza quand même une expérience à monaki batu bayebisa ki na campagne électorale que non atonga ki eloko moko te. Moi je crois que c'est le temps aujourd'hui entre les lots, entre les 10 jours ici qui vont qui sont devant nous avant son investiture à concevoir et lokomoko oyo tango akolobela batu batu ba yeba ke non. En tout cas espoir ezali ke lobi ekozala. Qu'est-ce que les Congolais espèrent bandeko ngai naza ko espérer que Félix Tshisekedi a corriger mandat na ye a corriger mandat na ye liboso ko corriger ango, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il va prendre tout ce qui il a eu comme échec. Il va prendre tout ce qu'il a vu que batu oyo na sala ki na bango ba sala ki malamu te et que comment est-ce que nous pouvons faire un plan pour que na récupérer ba intellectuel oyo na ba programme sous ya ba opposant oyo ba kende ki nango na campagne na inclure ango pour que et rassurer mutu nyoso toute. C'est là que nous sommes en train de dire que biloko nyoso koloba mati le 20, moi je ne pense pas que ekozala eloko moko eko toki ko tiango en compte. Mais ce qui va compter, c'est ce que Félix Tshisekedi va poser comme premier acte. Le premier acte, ça sera son discours. Comment il va s'y prendre pour récupérer l'opposition tout autour de lui, totonga mboka oyo. Programme nini ango ko tia en place pour que batunyo surtout baya kozala. Parce que je vais vous dire une chose. Na katia constitution na biso ndenge eza ko lobama awa, même si Tshisekedi a 70% ya ba parlementaire, même si la 85%, d'ailleurs nous avons vu une certaine relâchement ya opposition ba lobi bon OK asi a gagné ba élection, problème ezalite, on va voir comment est-ce qu'il va diriger, on va voir comment est-ce que et là nous voyons les gens qui ne sont pas vraiment donc bien informés en disant que non, maintenant nous ne sommes plus des opposants, nous sommes tous des Congolais. C'est comme cela que j'ai dit que Congo est un patrimoine à mutu mokote, est un patrimoine à ba Congolais nyonso tout. Tous les Congolais doivent bénéficier de tous les programmes que le président fondateur va mettre en place. Nous on n'a pas à dire que non il va échouer ou bien il va faire ceci, non. Ce n'est pas ça notre idée. Nous avons l'idée de l'accompagner. Awa yangwana tolobaka awa boyoka ki na réflexion comment est-ce que nous disons ce n'est pas question de gagner ou bien de perdre. C'est question maintenant de voir l'avenir. Comment est-ce que nous allons nous comporter devant l'avenir? Comment est-ce que nous allons réunir tout le monde ensemble pour que tosi lisa ba mikakatano nyonso oyo tozana ngolo lelo.
Comment est-ce que le pays va encore susciter un espoir sur tout le plan, sur le plan interne, surtout sur le plan interne, pas sur le plan international, parce que toyebi ke kokoso ebele utaka libanda. Na libanda nde kokoso ebele utaka. C'est comme ça que nous nous sommes dit, on est en train d'attendre. Tozozela. Mboka oye kufite, mboka oye kokene na pocha mutu mokote. Seni ezandenge nini, sali makamu, seni e derrière nous. Moi je me dis, il faudrait que les gens puissent se mettre au calme, yakoloba. Quelle est l'idée principale que nous allons faire? L'idée c'est de voir qu'est-ce que Tshisekedi va nous dire. Quels seront les premiers actes, et c'est sur ces actes-là que nous pourrons poser ces actes, cet espoir-là dont le peuple congolais a besoin. Nous avons besoin d'espérer. Nous avons besoin de rêver d'un Congo meilleur. Mais si les actes qu'il va poser vont à l'encontre de l'espoir qui sera posé, c'est à ce moment-là que les gens pourront se dire que non. Tshisekedi alingi ayebisa mabiso na babilo komoko ezanga tina. Pour l'instant, nous n'avons pas besoin de nous discuter, yako lobake. Non, nous avons gagné, voici, et que Congo est bongi mbala moko te. Le poids est tellement lourd que, et koki kozala, komema na mutu moko te. Il n'y a personne aujourd'hui qui peut se dire que non. Seulement ma présence, seulement comme je suis président, et que les choses vont commencer à aller d'elles-mêmes dans le sens où le Congolais va se retrouver. Non. C'est tous les Congolais, les programmes qu'on va mettre en place, tout ce que Tshisekedi va poser comme le premier acte qui va définir à ce que Batu bazala na espoir, to bazala na espoir te. Au Kasai, comme au Katanga, comme au Kivu, par-ci par-là, Bakokoso Oezali, Tshisekedi va nous donner un programme, il va prononcer un discours, et c'est ce discours-là, c'est dans ce discours-là que nous pourrons voir que non. Tshisekedi azokende na sens moko ya bien. Alors, toti kaba makambo oh déjà ya ba élection, moi je pense attendons processus ango esuka Tshisekedi azala programmer, azala na parlement malamu premier gouvernement salema, et nous espérons que tout royo makambo akozwa lisusu inane ya kozwa gouvernement sika ekozala te. Pourquoi? Parce que il a gagné les élections avec 73%, c'est-à-dire que na parlement kozala à peu près na 70%, c'est ça la logique. Et donc si nous avons déjà le parlement en place et que ba gouverneur baza eli et que nous pouvons, c'est par là que maintenant nous allons voir comment est-ce qu'il va implémenter un plan yakoloba. OK, nous allons aller dans le sens yako toucher constitution. Est-ce que c'est la constitution qui est notre problème? Est-ce que ce sont les Rwandais qui ont un autre problème? Est-ce que c'est la guerre qui est le problème? Sinon, il y a des gens qui ont été dans le monde, qui ont été dans le monde, qui ont été dans le monde, qui ont été dans le monde. Ça dépendra de comment il va surprendre. Moi, je pense que nous devons nous taire et laisser Tshisekedi tranquille examiner ces histoires-là. Il doit examiner son plan, il doit faire tout ce qu'il veut, il doit faire son plan, ensemble, que tout le monde puisse se retrouver. Et là, je donne ma langue au chat. Je me dis, autant mieux que nous puissions attendre tous les labisonyoso, makamwango nenge kokende. Félix Tshisekedi akosala na banani, programme na ekozala nini. C'est par là que nous pouvons nous prononcer, c'est par là que nous allons dire que ça sera un bon président ou non. Ce qui consolidation ya babiloko oyo abandaki et qu'on continue, tant mieux. Mais ce qui ba vis wana ekotika la kaka a touché angote na discours na ya investisseur, c'est par là que nous allons dire que non, Tshisekedi awa abandi déjà mabe. Voilà un peu ce que j'allais à vous dire. Merci beaucoup.